Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Merde. Isaac, je commence à sentir l'air contaminé d'ici. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Je fais ce que je peux pour contenir, mais ça ne va pas nous sauver longtemps. On doit éjecter ce truc du vaisseau. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. J'ouvrirai la porte quand tu y seras. Au début. On dirait que quelqu'un a tout verrouillé sur ce pont. Tout récemment, même. On ne doit pas être seul à bord, après tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Fait ça que il y avait un monstre à un moment donné au début, il remet les zombies, il remet les hommes en vie puis il est attaquant. Ah ouais, tu pensais que tu m'as tué de même, toi? Avant d'aller le voir, j'ai tué les deux gars à terre, j'ai tout arraché les membres. Il a pas pu y mettre debout, t'sais, il n'y a plus rien. Ok là! Ah!
comprends pas. Ah oui, je comprends. J'ai mal compris, finalement. Il m'a compris en calice. C'est peut-être pas le bon gun. Aussi, mais c'est-tu des armes, ça? Trancheur, mais t'as le découpeur. Sûr. C'est ça qu'il fallait faire! Lancer la bombe dessus! Plus j'avais un autre arme!
proche du laboratoire. Quand tu auras ce qu'il faut, tu devras aussi trouver un extrait ADN du tissu organique. Je vais fouiller les registres. Fouille. Pas confiance là-bas. Essayer de survivre est admirable, mais sans espoir. Ah, et pourquoi tu continues ? On me ferait presque penser que nous avons de l'avenir en tant qu'espèce. Suis-je le seul à me rendre compte que notre espèce est morte il y a déjà bien longtemps ? Pourquoi personne ne peut l'accepter ? Arrêtez de fuir. Arrêtez de combattre. Notre oui, vite fait. Avenir, votre avenir, le futur de notre race mourante s'achève. Pour maintenir la putain deux fois, je pense, ma prochaine étape, la suite de start notre évolution. Cancel. Double click cancel. Plus beau cadeau. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Faut le laisser aller au pire. Ok, bye. Thank you.
Oh shit, j'ai acheté des... Pas sûr que j'ai sauvegardé, mais... Ça, je croyais... Par votre obstination. Jusqu'à votre dernier souffle, vous vous accrocherez. Vous ne voulez pas quitter ce qui était votre monde. Aujourd'hui, c'est déjà tout. Vous devriez être très fier de lui donner la vie en vous donnant la mort. Thank you.
Non, il est collé. Psychopathe, qu'elle est. Journal de bord, Dr. Chalus Mercer. Le spécimen continue de réagir de façon favorable. La croissance de ses cellules ainsi que son élasticité sont étonnantes. Le Dr. Kine, j'en suis sûr, désapprouverait. Mais c'est le dernier de ses soucis. Le bon docteur est trop occupé avec le monolithe, comme si c'était important. Il a succombé à la même folie que celle qui a touché la colonie. Hier encore, il m'a dit avoir parlé à sa femme. Amelia Kine est morte depuis des années. Il grandit tellement vite. Patience. On leur approche. Très bientôt. Échantillon 9797 ajouté au composé. Mélange final requis. C'est bon, Isaac. À présent, tu dois finir la présentation. J'en ai assez maintenant. Acceptez votre destin. Acceptez la fin des vôtres. Environnement. C'est bête aussi. Isaac, il a dépressurisé le pont tout entier et je n'ai plus du tout accès au système. Tout l'air a été évacué dans l'espace. Tu peux relancer la production d'air depuis le poste de sécurité, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Faut pour fabriquer le poison. Maintenant, retourne au laboratoire. Quoi que vous vouliez faire, faites-le vite. Je peux à peine respirer. Je perds votre signal, Amon. Je
vais essayer une autre fréquence. Merde, je l'ai perdu. Je vais chercher avec le scanner. Va préparer le composé. Nice. J'en sais un peu plus sur cette atmosphère. Des rapports disent qu'une énorme créature est entrée dans la salle des cultures depuis l'extérieur du vaisseau. C'est là que l'air a commencé à se dégrader. Les survivants l'ont appelé le Léviathan. Requête en cours. Patientez. Mélange final achevé. Retirez la capsule. J'espère que ça marchera. Retourne à la station de tram et va à la salle des cultures le plus vite possible. Pas de réponse d'Amande, alors sois prudent. On ne sait pas à quel point ce pont est contaminé. Je crois que je commence à admirer votre instinct de survie. Un peu fou, voire génial. Je crois que...
vous devriez voir le grand œuvre. Ne déclinez pas l'offre de la reine-mère. Vous méritez de le voir au moins. Peut-être que vous allez enfin. Les recherches que j'ai faites ne peuvent. C'est impossible. Moi, Dr. Chalus Mercer, serai le premier artisan de la résurrection de l'espèce. Ces spécimens reviennent sur Terre avec moi. Ils répandront sa parole divine à travers la planète tout entière. Je vous laisserai avec mon cadeau. Vous ne pourrez pas lutter. Vraiment, je le tue là-dedans. Même pas, je restais là.
C'est super facile avant que tu trouves la motion de pas perdre toutes tes balles pour rien. Pour vrai, si je devrais moi recommencer. Espérons seulement qu'on ne verra plus cette chose. J'ai réussi à contourner le verrouillage de Mercer. Il y a une station de tram pas loin pour rejoindre la salle des cultures. Oui, mais cette balle, pareil. Pourvu qu'on ait assez de temps. Je me demande combien qu'il y en a. Je pense qu'il en reste encore beaucoup. J'ai pas trouvé exactement ce que moi j'étais. Journal des cultures, Dr. Elizabeth Cross au rapport. Je suis très heureuse d'annoncer que nous travaillons actuellement à plein régime. La flore est en pleine santé et la production de nourriture en surplus. Je souhaitais faire parvenir le surplus à la colonie, mais le capitaine a interdit le convoi. Je précise que je désapprouve totalement cet ordre. Nous savons qu'ils sont en difficulté, je ne vois pas l'intérêt de leur refuser ce surplus. Irrigation initialisée. Fermé dans le garde-manger. Le personnel sur ce pont, ce sont eux qui ont infecté l'air. Ils se transforment. J'en ai vu un. Gonflé, bouffi. De vraies machines chimiques. Chassons-les pendant qu'on peut encore respirer. Hammond,
Je vous croyais mort. Vous avez besoin d'air pur et vite. Dans votre état, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour aider Isaac. Isaac, je suis en train de scanner la zone. C'est vrai, il y a quelque chose de vraiment énorme dans le garde-manger. Mais je n'ai rien de précis. Tout ce que je sais, c'est que c'est énorme. Sois prudent. C'est bon, je pense que je suis même pas rendu à la moitié du jeu. C'est la porte du garde-manger. Mais je ne peux pas contourner ce verrouillage. Détruis les capsules pour rétablir la qualité de l'air. Tu pourras utiliser le poison sur le Léviathan. Je devrais être contente qu'Amon soit en vie, mais j'ai pas confiance. Il nous cache quelque chose sur le monolithe. Elisabeth, tu dois être au courant de la matière organique trouvée dans le vaisseau. Je vais examiner et je pense que ça intéresse. Ces cellules sont semblables à des bactéries et se comportent comme des virus en tant que bactéries. Ces cellules affectent les autres osmoses qui mutent. Ils se reproduisent par parthénogenèse. Le plus incroyable, c'est sa vitesse de croissance. Une seule cellule se reproduit 20 fois en une minute. Je n'ai jamais rien vu de semblable, j'en suis sûr. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais qu'il s'agit d'une forme de vie extraterrestre. Emily pense que c'est un truc qui se transforme son habitat, car ses émissions de gaz sont très importantes et sont très mauvaises. Nous ne savons pas à quelle fin, mais je tiens au courant, Enrich. Thank you.
Je voulais pas faire du Apex par hasard, Turbo? Une quinzaine de minutes. Pas trop. De manse, je peux pas toutes les battre, faut que je décalisse de là.
Cuve nutritive en place.
Non, c'était tout pour l'aventure. The Dead Space. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!